Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce bonnet. Donc vous voyez, avec trois couleurs, donc c'est un bonnet réalisé au crochet, on a besoin de trois pelotes. Donc c'est Woolly Hugs Sheep que j'ai utilisé. Donc, il y a du coton dedans, un peu de polyacrylique, voilà. Donc, c'est vraiment un bonnet assez léger. Puis c'est aussi un motif, donc vraiment que je trouve sympa et que j'aimerais vous partager. Et puis bon, il manque quand même un peu de travail. Donc, au début, ici, donc je travaille avec un crochet numéro 6. Donc on commence avec un nœud magique. Hein. Donc on pique dans le nœud magique et puis on va chercher notre fil. Ensuite, je fais une maille en l'air pour gagner de la hauteur. Et 8 fois dans l'anneau, une maille serrée et une maille. Voilà, donc là on fait une maille serrée et une maille en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. 7 fois, et on arrive au 8e, donc à 8 fois. Donc maintenant on peut tirer le fil qui est ici, donc doucement. Et dans la première maille serrée, je vais piquer mon crochet et je fais une maille coulée. Voilà. Maintenant c'est fermé. Maintenant, je vais dans la maille, la première maille. Je prends la deuxième couleur et je vais faire du coup, voilà, une maille coulée comme ça. Et donc juste une maille en l'air pour recommencer. Et donc, et après. Dans chaque maille, comme ça, je fais une maille serrée et une maille en l'air. Deux fois. Je vais dans la suivante. Je fais une maille serrée et une maille en l'air. Et je repique maille serrée et maille en l'air. Ici aussi. Je vais dans la première maille, une et voilà, maille en l'air, je pique, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je repique, je fais une maille serrée, une maille en l'air, et ainsi de suite. Donc on reproduit ce motif tout le tour. Voilà. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, donc deux mailles serrées, donc avec à chaque fois une maille en l'air. Je fais ça une 8e fois, donc. Donc là, je ferme mon tour. Donc là déjà, je pique et je fais une maille coulée avec le troisième fil.
Maintenant, je fais une maille en l'air. Donc là, j'ai piqué dans la même maille dans laquelle j'ai travaillé. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Ici, je fais deux fois une maille serrée, une maille en l'air. Donc. Ensuite, ici, je fais juste une fois une maille serrée et une maille en l'air. Donc là, de nouveau, deux fois maille serrée et une maille en l'air. Et de nouveau, juste une fois. Et on change de cette manière tout le long. On fait tout le tour comme ceci. Donc là, de nouveau, une fois juste. Et donc là, encore une fois. Et ensuite, deux fois à nouveau. Hein. Et ensuite, de nouveau, une fois. Et encore deux fois à nouveau. Donc j'ai fait mon tour. Ok, donc là je pique ici. Donc là je fais une maille coulée pour fermer le tour. Ensuite je pique en dessous de la suivante et je prends à nouveau le premier fil et je fais une maille. Ensuite je fais une maille en l'air pour commencer pour la hauteur. Et dans la même maille, je vais encore piquer et je vais faire une maille serrée et une maille en l'air. Encore une fois, je fais une maille serrée et une maille en l'air. Ensuite, dans la suite, je fais encore juste une fois une maille serrée et une maille en l'air. Enfin, voilà. Et puis, de la deuxième, encore deux fois. Donc on fait toujours de nouveau une fois une maille serrée, une maille en l'air et deux fois et ensuite deux fois une maille en l'air. Là deux fois, de nouveau une fois et de nouveau deux fois. Une fois, deux fois, une fois, deux fois. Et encore une fois, et de nouveau deux fois. Une fois, deux fois. Et encore une fois, et deux fois. Une fois, une fois. Et deux fois.
Une fois, deux fois. Voilà. Donc ça, si je la referme. À nouveau, donc je pique, je vais chercher la deuxième couleur. Et je fais une mamaille coulée. Pour fermer le tout. Mamaille en l'air. Et dans cette même maille, je vais faire une maille serrée et une maille en l'air. Et maintenant, dans toutes les mailles, je fais juste une fois une maille serrée. Enfin, une maille serrée, oui, et une maille en l'air. Voilà. Donc, 4, 5, 6. Sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36. Donc on va du coup refermer aussi donc la dernière rangée. Voilà, donc dans la première, on pique dans la première. Voilà. On termine hein, comme la première, on pique et on prend la couleur suivante. Fait du coup la sixième rangée. Donc on en fait une maille comme ça pour la hauteur. Et à chaque fois, donc dans toutes les mailles, on fait une maille serrée et une maille en l'air. Et maintenant, on reconnaît, voilà, le motif de ce bonnet. Vous avez vu, on a quand même gagné assez rapidement
taille. Et puis après, on va voir tout progressivement notre bonnet tomber. Voilà, c'est ce qui va donner la forme pour pas avoir un dessous plat, par exemple, à la place d'un bonnet. Donc c'est pour ça qu'après, on va continuer ainsi jusqu'à la fin. Pour que ça fasse retomber le bonnet. Voilà, qu'on arrive à nouveau à la fin de la rangée. Donc maintenant, on est ici. On pique à nouveau, donc dans la première maille. On attrape le film suivant encore. On le passe, on fait une maille foulée. Voilà, on l'ajuste et puis on fait notre première maille, donc nos mailles en l'air. Et ici, toujours dans la même maille, on fait notre maille serrée, une maille en l'air. Et on continue, on fait notre tour avec exactement la même chose. Dans tout chaque maille, on va faire une maille serrée et une maille en l'air. En tout, donc on va faire 3, 6, 7, 12, 27, 30, donc 33 rangées j'ai au total, et on finit avec une petite fermeture comme ceci. Voilà, donc ça nous fait une jolie finition. Donc on peut le terminer comme on veut, quand on veut. Et ça c'est pour 54, 58. Et c'est 23 cm pour la longueur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un moment, que vous avez appris des choses. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut. Salut.